Monsieur Première Dame Look, moi c'est Adrienne, Première Dame. Vous êtes vraiment la bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vous ramène une vidéo comment to set up a picnic, comment faire un pique-nique. Je sais bien que l'été tend vers la fin, donc c'est vraiment votre opportunité, dernière chance de faire vos pique-niques en famille, ok? Et je vous montre comment est-ce que moi je m'organise lorsqu'on a des pique-niques à la maison avec les enfants. En premier, vous aurez besoin de quelque chose pour vous asseoir. Voilà, si vous n'avez pas invité les décoratrices pour décorer, donc waouh, bref, je prends un drap que je mets là, deux bouquets de fleurs, parce que des fleurs, toujours on a besoin de fleurs lorsqu'il y a des pique-niques. Ces bouquets de fleurs nous viennent chez BM ici en Angleterre. Voilà, et là j'ai mon basket de pique-nique. Basket, non, Adrienne, panier en anglais, j'allais dire basket, j'ai traduit en français directement. Pas anyway, j'ai mon voilà, j'ai ça, les paniers de pique-nique. J'espère qu'on appelle ça en français. Et là, j'ai this napkin holder. Ces trucs qu'on met les essuie-tout. Voilà. Et à la maison, j'avais tout préparé. J'avais fait les préparatifs de notre barbecue. Mais sauf le wrap que je suis en train de faire lastminute.com parce que je voulais que ça puisse être vraiment frais. J'ai mis les ham, hot dog et puis les salades. Et j'ai mis les wraps. On a là les sausage rolls. J'ai les fruits aussi à côté. On a un cake parce que c'était à l'occasion de l'anniversaire de ma copine. Ok? Voilà. Pour le fruit, on a le watermelon. Pastèque, je pense. On a les strawberries. On a la mangue. Strawberry, les fraises. On a la mangue. On a le watermelon et autres. Voilà le wrap que j'ai fait. Dites-moi en commentaire, on appelle wrap en français quoi? Vous savez, votre girl. She's a British girl. Et voilà les fiches. Hein. Malangwa, on appelle ça en lingala. C'est pas un pique-nique comme tous les pique-niques. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Genre biscuits, genre des cheese. Hein. Genre un PCC. Non, nous, on a fait ça en africain. Voilà, on voulait être à l'aise et manger bien. Pas pour rentrer à la maison et chercher encore à manger. On a même des bananes plantains. On a quand même resté, on est resté dans les thèmes de pique-nique parce qu'on a notre vin, champagne, voilà, si vous voulez. On a des fleurs. On a notre basket de pique-nique. On a des... sausage rolls, voilà ce que je vous ai dit, les bananes plantains, vraiment, on appelle ça pique-nique, en africain en fait, quoi, on a notre gâteau, on voulait quelque chose de très simple, classique, on voulait pas ramener beaucoup pour enfin jeter, on était à 5 barbecue, pique-nique de 5 personnes, je sais pas pourquoi je suis en train de dire barbecue, mais bon, voilà, ça va avec, et là, there you have it! Pourquoi pas ne pas aussi organiser un pique-nique à la maison, chez toi, avec tes enfants? Ça fait du bien les changements, hein, voilà. Oups! Adrienne! Voilà, c'était trop bon! Là, j'essaye parce qu'on était presque à la fin. Le setup est fait. Mes garçons, ils étaient juste là, à côté, en train de courir tellement on était dans un parc. Même, vous savez, le garçon. Et là, on a notre couteau pour les cakes. En fait, voilà notre notre pique-nique, c'est que ça donne. Notre thème, c'est un peu pink and blue. Voilà. Et la nourriture, en fait. Tell me what you think. Dis-moi ce que vous pensez de notre petite sortie. Voilà. Il y aura probablement une nouvelle vidéo en mode vlog. Parce que j'ai vlogué toute cette journée, mais je ne voulais pas ramener ça ici. Je voulais juste vous montrer comment j'ai fait les setups avant. So here you have it. Picnic 2021. On va quand même faire un chin-chin, n'est-ce pas les filles? Là, on a un petit Lambrini. Voilà. On va nous servir ça vraiment très professionnellement.
Les filles, regardez comment on fait, hein. Faut bien faire les choses, quoi. Même si c'est pique-nique entre filles, hein. Entre filles avec les enfants, mais bon. On essaye de rester dans ce côté un peu luxe, dans ce côté comme si on était dans un resto 5 étoiles. Voilà, il y a les fruits d'été. Il y a notre poisson malangois qui est juste à côté. On a les cakes, on a le banane plantain. Les enfants ont déjà pris leur wrap, ils sont en train de manger. And yeah! Notre journée sortie hein, avec les enfants, si vous voulez. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai coupé ces fiches. Tchin tchin! Hey! To us! Ok, enough. Donc, pour les poissons là, c'était bien fait dans le four hein, à petit feu pendant 2 heures et demie, 3 heures du temps. C'était vraiment bon. And I hope you guys can try it. Peut-être Sosa Andako Mekatandam. Regardez en tout cas, poisson, crevettes, servi avec des bananes plantains, apprendre à nos desserts, nos fruits. I just love the idea. On ne voulait pas faire genre trop, too much et tout. Les garçons, après avoir couru, ils ont besoin du jus. Question d'être hydratés, hein. Et Daniel qui est là, il est en train de faire sa beauté, voilà. Mommy, I don't want orange juice. C'est lui. Donc là, je pense que la vidéo tend vers la fin. Bisous à vous mes copines. Une petite vidéo motivation entre vous deux, vous pouvez créer. Confinement et Bouma Mambébélé, vous pouvez créer quelque chose de pareil. Et si vous recréez cette idée, pourquoi pas taguer moi sur Instagram. Mon Instagram, vous voyez là, c'est Première Dame Look. Si vous êtes connecté aussi sur Instagram, I would love to see your picnic. Thank you so much for watching, guys. Merci d'avoir regardé. Là, il y a quelques photos. C'était vraiment un bon jour, hein. Oups! Voilà, avant qu'on puisse partir. In pour la route, les poissons. Non, just 1 minute for this fish, man. It was so delicious. So amazing. I love you guys. Thanks for watching. Si tu n'es pas encore abonné dans la chaîne, abonne-toi. Ça me fera énormément du bien. Mouah. Ciao, ciao.